De nouveau à la France maintenant avec en 1998 une prétendante à la victoire, elle s'appelait Marilyn avec son single Où aller. Elle est allée directement à la fin du classement, on va voir ça dans un instant. En tout cas, il faut savoir que la chanteuse était originaire de Saint-Raphaël, qu'elle a commencé avec un groupe qui s'appelait Afro Soul Punk. Et alors cette chanson, malheureusement, pourtant la prestation était plutôt bien réussie, le public l'avait bien accueillie, terminera sur la deuxième marche du podium, mais en partant de la fin. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a eu que 3 points. C'est l'un des pires résultats de la France au Grand Prix Eurovision de la chanson. 1 point de Chypre et 2 points de la Macédoine, la pauvre. Tes yeux sont fermés, personne ne peut décider le cours de ta vie, toi seul peux le dessiner. Tu n'es pas le premier, l'espoir bat ton courage. Si tu penches, tu relances, si tu flanches, tu renonces. Tu n'as pas où aller. Bien remonté, mais ton cœur parle, t'emballe, tu rames tes mains. D'y voir bien clair, tu pourrais trouver le vrai chemin, la foi, la force qui mène à la vérité. Tu n'as pas où aller. Faut pas s'inquiéter pour Marilyn, hein. Elle va très bien depuis 98. Hein. Elle a chanté sur de nombreux disques en tant que choriste, elle a même composé des musiques de films, cuisine américaine, c'était elle, Agathe Cléry avec Valérie Le Mercier, c'était elle aussi. Bon, il faut dire que cette année-là, donc en 98, c'est Dana International, l'israélienne, travestie, qui décroche la palme d'or avec Diva. Voilà, les enfants, c'est terminé. On croise les doigts parce que samedi prochain à Malmö, en Suède, c'est l'Eurovision. On croise les doigts pour la France. Il faut savoir que notre pays n'a pas gagné depuis 36 ans. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir renvoyer Marie-Myriam. Il faut faire quelque chose. Allez, bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss.